Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et bienvenue sur l'information des événements à hier. Maintenant, on va aller en direction de la presqu'île de Gien. Ça y est, c'est le printemps, mardi gras, Caramantran, le méchant bonhomme qui a fait des sacrés, mais des dégâts, disons plutôt des méchancetés ou un peu beaucoup, beaucoup pire que des méchancetés pour se débarrasser de l'hiver. Un retour en image avec, à la suite de cette fin de la petite parade à la presqu'île qui se termine devant l'église par un jugement si il est brûlé ou pas. On va voir. Regardez et on retourne en image. Et oui, en ce mardi 5 mars, c'est le printemps sur la presqu'île de Gien où le carnaval est en train de se dérouler pour ce méchant bonhomme. Un bon retrouvaille devant les parents, les enfants qui ont pu insister à ce Caramantran, ce méchant bonhomme qui va défiler dans le petit village pour terminer devant l'église pour être jugé avec toutes ses méchancetés. Sur la presqu'île de Gien pour animer pour les parents et les enfants. Ce Caramantran brûlé à vif devant l'église. Tout le monde s'est donné rendez-vous à 18h pile pour démarrer la parade. Et puis tous les enfants s'amusaient à jeter en l'air cette poupée pour partir à l'aventure de cette parade sur la presqu'île de Gien dans le village. En musique, flûte à la main pour le méchant bonhomme. Et à la suite de cette petite parade, la préparation de ce méchant bonhomme pour que les enfants insistent à ce jugement du fabuleux Caramantran, le méchant. Mais avant le jugement du Caramantran, le comité des fêtes a fait un petit spectacle de danse, de chant, etc. devant les yeux de tout le monde, devant l'église.
Et c'est à ce moment-là, tout s'est déroulé, le moment du jugement de Karam entrant, il fallait tout dévoiler, vider son sac, parce qu'au bout d'un moment, c'était le bordel. Et oui, il fallait vider son sac et dire ce qu'on reproche à ce méchant bonhomme. Et on y va. Alors, qui veut commencer? Qui a quelque chose à dire contre Karam entrant? Bon, peu importe qu'il fasse beau ou qu'il fait du vent, c'était à deux doigts. Mais il fallait prendre la décision qui est contre pour brûler. Et non, il fallait tout le monde dire la vérité, vider son sac et il fallait le faire brûler, ce méchant bonhomme. Vive le printemps pour cette fois-ci. Bientôt, ce sera l'été et croyez-moi, le méchant bonhomme ne sera plus dans les pattes. À cause de Karam entrant, vous, mademoiselle, on a un mauvais président. Et évidemment, les mots sortent aussi de la bouche des enfants pour dire que le président est un mauvais coucheur. C'est une attitude qu'il a, on dit qu'il se saoule, mais pas tout le temps. On dit que peut-être, ma foi, je ne sais pas, peut-être une fois. Vox Populi, Vox Dei, comme vous, Karam entrant, il mérite que cela. Et voilà, avec toutes ces paroles qui ont été dites sur la place République, sur la presqu'île de Gien, dans le village elle-même, on peut dire il mérite qu'on le brûle et tout le monde est content. Regardez en image. Voilà, cette information se termine avec ce Karam entrant brûlé. Vidéo photo 83 400 TV.